La météorite qui a formé Charlevoix est tombée il y a environ 350 millions d'années. C'était une météorite d'environ 2 km de diamètre, une météorite rocheuse, qui est venue frapper la surface là, de ce qu'allait devenir Charlevoix à environ entre 10 et 20 km à la seconde. Pour vous donner une idée, là, c'est une balle de fusil va environ à 1 km à la seconde. Donc environ 10 à 20 fois plus rapidement qu'une balle de fusil. Et cette météorite-là avait une masse d'environ 15 milliards de tonnes. Donc, ça a causé une immense explosion avec énormément d'énergie. On parle d'une énergie d'environ 26 millions de fois celle qui a été libérée par la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Donc, ça a été vraiment un événement cataclysmique à cette époque-là. Charlevoix, on le sait, c'est une région qui est très montagneuse. Ça, c'est évident. Sauf que ça a pris du temps avant qu'on sache que Charlevoix, c'est un cratère d'impact météoritique. En fait, ça n'a même pas été découvert comme cratère. C'est les pierres qui ont été découvertes dans Charlevoix qui portaient les cicatrices de l'impact météoritique. Alors, quand les géologues les ont étudiées dans les années 60, Jean Rondeau, en particulier, qui travaillait pour le ministère des Ressources naturelles, a découvert des cônes de percussion. Et ça, c'est une structure dans la roche qui est caractéristique des impacts météoritiques. Alors, à partir de ça, il s'est dit: on ne peut pas avoir ce type de roche-là s'il n'y a pas eu d'impact météoritique. Donc, on peut voir les rayures à sa surface. Oui, oui, oui. Ça, j'ai trouvé ça dans le coin de Cap-aux-Oies. Donc, pas tellement loin des éboulements. Alors, ça, là, c'est vraiment des cicatrices de l'impact météoritique de Charlevoix. C'est ce genre de pierre-là qui a permis aux scientifiques, aux géologues de découvrir l'origine météoritique de la région. Donc, ça, c'est les témoins. Et puis ça, c'est des exemples de ce qui tombe à la surface de la Terre. Est-ce qu'on pourrait en trouver de nos jours encore des fragments? Il y en a à certains endroits. Il y a des sites qui sont protégés. En particulier, il y en a un à Saint-Hilarion, dans le rang 1, qui est un site protégé et qui permet de démontrer finalement l'origine météoritique de la région. Donc, à Saint-Hilarion, il y a un cran en roche qu'on voit des ondes comme ça à sa surface. Et puis, ça nous permet vraiment de voir là, une cicatrice de l'impact. Alors, c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'on était dans un cratère d'impact météoritique, mais ce n'est pas si évident à voir à partir d'ici. Un des meilleurs endroits pour le voir, selon moi, c'est au sommet du mont du lac des Cygnes ou au sommet du Mirador aux Sourjoyeuses, qui sont des endroits où ça nous permet vraiment de voir le pourtour du cratère. Mais la meilleure manière vraiment de le voir, c'est par des images satellites, comme celle que j'ai derrière moi, là, qui est une image qui a été prise par un satellite RadarSat de l'Agence spatiale canadienne. Alors, c'est vraiment dans cette situation-là qu'on peut le mieux voir le cratère de Charlevoix. On en a deux qui représentent finalement les deux grandes familles de météorites, c'est-à-dire une météorite rocheuse et une météorite ferreuse. Les météorites rocheuses sont beaucoup plus fréquentes. Il y en tombe environ une centaine de tonnes un peu partout sur Terre à chaque jour, sauf que c'est la plupart du temps sous forme de fines poussières qui vont s'enflammer dans l'atmosphère, ce qu'on appelle des étoiles filantes. Des fois, il va en tomber des morceaux qui sont plus gros. Des fois, il va en tomber des morceaux qui sont plus gros et puis ces morceaux-là peuvent se rendre jusqu'à la surface. Alors, celle qu'on a, notre rocheuse, elle a une masse de 4,3 kg et elle a été trouvée dans le désert du Sahara par un nomade qui devait probablement se déplacer en dromadaire ou en chameau et puis qui l'a ramassée. Et évidemment, dans le désert, quand on trouve une roche toute seule ou avec juste quelques roches dans le même coin, il y a des grosses, grosses chances que ça soit une météorite. Alors, eux, les nomades, ils sont contents dans ce temps-là, quand ils en trouvent une, parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller revendre ça au Maroc. Et puis, nous, ça vient finalement de Marrakech. Ça a été racheté par un vendeur de météorites aux États-Unis. Et puis, nous, on l'a acheté deux. Et la deuxième météorite qu'on a, c'est une météorite ferreuse. Celles-là sont beaucoup plus rares. C'est environ 10 % de ce qui tombe sur Terre qui est ferreux. Par contre, celle qu'on a fait partie d'un ensemble de météorites qui était très, très grosse à la base, parce qu'il y en a environ une centaine de tonnes de fragments qui ont été trouvés en Argentine, dans le nord de l'Argentine. Et puis, les premiers fragments ont été découverts en 1576. Donc, nous, on a acheté un fragment
qui s'appelle de Campo del Cielo. Donc ça, c'est vraiment une famille de météorites. Il y en a des beaucoup plus grosses que la nôtre. Il y en a une qui pèse 60 tonnes. Évidemment, elle est laissée au sol là-bas. Ils ont seulement creusé autour, puis ont fait des genres de petites estrades pour que les gens puissent aller la voir, puissent aller y toucher. Donc nous, c'est finalement un petit débris de cette grosse météorite-là qui avait au moins une centaine de tonnes là, qui est tombée sur la Terre il y a environ 5000 ans. Nous, on les a achetés pour que les gens puissent les voir, puissent leur toucher, puissent même les prendre dans leurs mains. C'est sûr qu'ici, hein, c'est plus petit que, admettons, le planétarium de Montréal. Il y en a des météorites au planétarium de Montréal, mais elles sont barrées. Il y a des armatures en métal par-dessus pour pas que les gens puissent partir avec. Nous, notre but, là, c'est vraiment que les gens puissent les toucher, puissent les prendre dans leurs mains, voir la différence de masse aussi. La météorite ferreuse, vous avez pu le constater tantôt, est vraiment, vraiment surprenante, là. On la prend dans nos mains, mais on n'a pas l'impression qu'elle va être aussi lourde que ça. Mais c'est ça, elle est faite avec environ 90 % de fer, 10 % de nickel, donc ça fait un objet qui est très, très dense. Donc, quand on arrive pour la prendre dans nos mains, là, disons qu'on fait le saut. Et on n'aurait pas eu envie de la recevoir sur notre toit de maison. Une météorite comme ça, c'est clair que à la vitesse à laquelle ça arrive, là, ça aurait fait pas mal de dégâts. C'est le mont des éboulements qui est le centre du cratère d'impact. Quand il y a une météorite qui est suffisamment grosse, qui tombe à la surface de la Terre, l'énergie qu'elle avait en physique, ce que j'enseigne, on appelle ça l'énergie cinétique, bien, à un moment donné, cette énergie-là doit être libérée parce que la météorite freine extrêmement rapidement en frappant la surface. Donc, en libérant énormément d'énergie, la croûte terrestre, qui est faite avec de la roche, va énormément chauffer. Alors, en chauffant, elle va devenir liquide. Donc, on peut penser que pendant les fractions de secondes, les secondes durant l'impact, la roche était liquide partout dans Charlevoix. Et à ce moment-là, il s'est fait une genre de dépression dans le centre. Et puis, à un moment donné, la roche liquide a voulu aller recombler ce vide-là. Et c'est là où il se fait un monticule central, en l'occurrence le mont des éboulements. On parlait du monticule central. Là, on voit les montagnes là, des éboulements, le mont des éboulements qui est dans le centre ici. Mais si on regarde, admettons, à la surface de la Lune, c'est plein de cratères avec un monticule central aussi, parce que justement, quand la météorite a frappé la Lune, la surface de la Lune est devenue liquide et la remontée dans le centre a créé une montagne. Donc, pour nous, c'est le mont des éboulements. Le pourtour de notre cratère, c'est ce qui passe par le parc des Grands Jardins, un peu plus loin que Saint-Aimé-des-Lacs, aller jusqu'à Cap-Alègue. Et du côté de Baie-Saint-Paul, là, on est vraiment en train de ressortir du cratère quand on monte les côtes pour s'en aller vers Québec, finalement. On est en train de ressortir du cratère de Charlevoix. Quand on arrive de Québec et qu'on descend à Baie-Saint-Paul, on arrive dans cette section-ci. Puis ensuite, quand on retourne vers Tadoussac, à partir de Cap-Alègue, on ressort du cratère pour s'en aller vers Tadoussac. C'est un télescope qu'on appelle communément un Schmidt-Cassegrain. C'est un télescope qui a 30 cm d'ouverture. Les Américains, ils disent que c'est un 12 pouces. Et puis, on en a deux instruments. On en a un deuxième sur le dessus qui, lui, a 80 mm d'ouverture. On en a deux parce que cet instrument-là a un champ de vision plus large que celui-là. Celui-là, il y a une focale de 480 mm, celui-là de 3000 mm. Donc, nous, on sert des deux dépendamment de ce qu'on veut faire. Quand on veut un champ de vision plus restreint avec un grossissement plus fort, on va utiliser le gros. Quand on veut des champs de vision plus larges, moins de grossissement et pouvoir observer ou photographier des objets qui sont plus vastes dans le ciel, bien, on va utiliser celui qui est là. L'instrument a l'air croche. Il l'est, en fait. Il est croche, mais il est droit par rapport à une chose, c'est par rapport à l'axe de rotation de la Terre. En fait, la fourche du télescope peut tourner. Si je fais tourner le télescope de cette manière-là, en ce moment, il est en train de tourner sur un axe qui s'en va comme ça, mais c'est exactement parallèle à l'axe de rotation de la Terre. En fait, cet axe-là pointe presque parfaitement vers l'étoile polaire qui serait là, mais là, il fait encore trop clair pour qu'on puisse la voir. Donc, le but de ça, c'est que en ce moment, on ne le voit pas, mais le télescope, il tourne sur lui-même. Il fait un tour sur lui-même en 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il est en train de compenser la rotation de la Terre. Ça veut dire que moi, quand je le pointe à un endroit bien particulier dans le ciel, automatiquement, une fois qu'il est pointé à cet endroit-là,
il fait sa rotation un tour sur lui-même en 24 heures, ce qui fait qu'il va toujours rester pointé vers le même endroit dans le ciel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer vers Saturne. On va voir s'il centre comme il faut. Je suis en train de faire la mise au point. Ce qu'on entend, c'est un petit moteur qui fait avancer puis reculer un petit peu l'appareil photo jusqu'à ce que j'aie la mise au point qui me satisfasse le plus. Puis là, on voit comment l'image, là, ça vibre. Là. Mais ça, c'est à cause de l'atmosphère de la Terre qui est toujours en mouvement. Ça fait vraiment une différence quand on observe des objets très, très petits comme ça.